que je suis un peu dans ma tête ces temps-ci. Je vois des choses que je voyais pas avant. Je pense à des choses auxquelles je pensais pas avant. Bande-annonce du film, le 8e long-métrage de Xavier Dolan. Le film Mathias et Maxime, ovationné à Cannes. Bien, ce film parle d'amour, d'amitié, d'authenticité, d'identité. Le film s'attarde entre autres à un groupe d'amis dont deux vivront une véritable remise en question. Et dans l'entrevue qu'il m'a accordée tout à l'heure, Xavier Dolan parle aussi d'environnement. Pour lui, il est temps d'agir, de transformer l'espoir en action. On l'écoute. Bonsoir, Xavier Dolan. Bonsoir. Vous aimez la photo? J'aime beaucoup la photo, oui. Ça représente bien notre tournage puis notre gang. L'esprit du film. Du bonheur, du plaisir, des jeunes. Vous êtes au centre et c'est le film d'une génération, pas seulement pour une génération, mais quand même, on sent cette quête d'amitié, d'amour. On va y revenir. Mais je vous attrape, là, vous arrivez de la marche sur le climat. Ouais. Hein? Vous vous êtes prononcé souvent sur ces questions-là. Vous avez peur de l'apocalypse, d'une certaine manière. Vous avez écrit là, des choses percutantes au fil des années. Mais ça fait longtemps qu'on me pose la question, puis qu'on me demande en entrevue, puis qu'on me demande où tu te vas dans 10 ans. Puis souvent, je fais le lien en disant, bien, dans 10 ans, je ne sais pas où est-ce qu'on va être. Puis ça fait 10 ans que j'en parle de façon aussi cultivée, puis engagée, puis informée, évidemment, qu'une Greta Thunberg ou des vrais scientifiques. Mais j'en parle, puis à chaque fois, les gens me disaient tout le temps, vous êtes alarmiste un peu, vous êtes anxieux, vous êtes... Puis pourtant, là, on dirait qu'on est vraiment acculé au pied du mur, qu'on fait face quand même à... Enfin, on est encore là à le dénier puis à se traiter d'alarmiste. Ça va continuer, j'imagine, jusqu'à la toute fin. Oui, mais en même temps, Greta Thunberg, une jeune fille de 16 ans, j'ose faire un effet miroir avec vous, à 16-17 ans, qui vouliez faire du cinéma ou de votre manière changer le monde. Mais Greta Thunberg, effectivement, encore aujourd'hui, dans nos journaux ici, il y a quelqu'un qui la traite d'éco-hystérique, d'éco-anxieuse. On la dénigre. C'est horrible. J'ai eu honte cette semaine à plusieurs reprises des propos de certaines personnes qui font dans le mépris, dans la facilité, mais qui sont dans le déni, évidemment. Mais ce qui est fou, en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est à quel point notre société n'est pas intéressée à lire des rapports scientifiques, puis n'est pas intéressée par les faits. Les faits, juste des faits. C'est pas compliqué dans la vie. C'est pas une opinion, c'est un fait. On les mélange constamment en pensant qu'on est encore dans l'alarme ou dans la... Alors que, je veux dire, on a des chiffres, on a des faits, on a des données, on pourrait... Ça fait 15 ans qu'on pourrait agir, puis là, on est dans une situation où... C'est tellement onéreux, tellement chérant qu'on peut pas s'imaginer imposer ça à des individus, aux contribuables. Puis personne veut voter d'un parti, veut voter pour un parti qui veut ça, mais on a... Un parti qui veut ça, mais en même temps... des changements aussi radicaux, je veux dire. Oui, mais en même temps, on interpellait la classe politique encore sur notre émission hier. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de crainte, de frilosité, parce qu'on doit se faire élire aussi. Puis si on impose plus de frais, puis ça coûte plus cher, sachant que les sondages ne veulent pas payer. Non, mais les gens veulent que la planète aille bien, là. Mais c'est juste qu'ils veulent pas payer pour. Ouais. Parce que... On a nos vies, puis on a notre routine, puis nos familles, puis on veut se protéger, puis c'est compréhensible à plusieurs égards. Mais on ne réglera pas le problème, puis on va attendre que ça, au lieu de nous coûter quelques centaines de dollars par année, ça nous coûte la vie ou... Greta Thunberg a 16 ans. Quand vous aviez 16 ans, vous vous battiez déjà pour faire votre premier film. Hein? Vous l'aviez en tête. On a différents combats, elle et moi, disons que le sien est un peu plus important. Sans doute, mais peut-être que vos messages dans vos films permettent aussi, à votre manière de vouloir changer le monde, en tout cas, de réprimer l'homophobie, par exemple. Mais je reviens à Greta. Dans la tête de quelqu'un de 16 ans, 17 ans, vous l'avez vécu, vous, essayer d'arriver dans le monde des adultes et de faire votre place. C'est possible. Il y a des gens qui ne croient pas qu'à 16 ans, on peut se faire ça. Généralement, c'est possible quand on ignore les gens qui nous disent qu'on a tort, qu'on se trompe, qu'on retourne à l'école, qu'on n'a pas notre place. Vous le disiez, elle a fait sa place. Ouais. Elle attend la permission de personne. J'ai pas attendu la permission de personne non plus. Je le répète, on a des combats qui sont complètement différents, mais chacun sa façon d'essayer de changer les choses. Non, je pense qu'en fait, les chiens aboient, la caravane passe. Ouais. Vous disiez en début d'entrevue qu'il y a 10 ans, je répondais à cette question-là, où je serais dans 10 ans. À un moment donné, vous avez dit, dans 10 ans, je voudrais être un cinéaste vivant. Hein, dans 30 ans. Est-ce que 10 ans plus tard, quand on regarde dans le rétroviseur, on dit, mon Dieu, ça a passé vite. Mon Dieu, que j'en ai vécu des courses à obstacles. Mon Dieu, que ça a été difficile. Ou mon Dieu, ça a été
réjouissant ou ça a été enrichissant? Qu'est-ce que ça a été maintenant que vous arrivez avec ce nouveau film, Mathias et Maxime, dont vous dites que c'est un film de transition, c'est un film à maturité, un film dont vous êtes fier, peut-être le plus fier? Il y a eu des obstacles, il y a eu des périodes plus difficiles, mais ça a été une magnifique décennie. Là, pour moi, j'ai été extrêmement privilégié. J'ai fait des films quand j'avais envie de faire des films, quand je voulais faire des films. On m'a accompagné, on m'a soutenu. Il y en a qui ont été moins compris que d'autres, mais finalement, en rétrospective, c'est rien, tu sais, comme ce genre de rejet-là. Oui, il y a eu des périodes de solitude. Mais je me suis fait des amis dans les dernières années à qui j'ai voulu rendre hommage à travers ce film-là, qui est un film sur l'amitié, qui m'ont apporté une solidité, un équilibre, une hygiène de vie beaucoup plus solidaire, beaucoup plus collective, dans l'humour, dans la fratrie, dans l'amitié, dans l'amour. Je suis un peu amoureux de mes amis, tu sais, j'ai une belle vie, je suis chanceux, en fait. Mathias et Maxime parlent de ça, puis parlent aussi de... du changement, du départ. Il y a un personnage principal qui est le mien qui s'en va quelque part pendant une période de temps indéterminée, indéfinie. Et le film se termine sur une porte qui s'ouvre vers le début d'un voyage. Puis je vois un peu Mathias et Maxime, la fin de Mathias et Maxime, puis aussi une réflexion sur le changement. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'il est un jour dans notre vie trop tard pour prendre le risque du changement? Se dire, je suis ici depuis tant de temps, je suis dans un confort, je me suis casé, je me suis catégorisé dans une certaine place. Est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux changer du tout au tout? Est-ce que ça se peut? Est-ce que j'ai pu me tromper toutes ces années-là? Puis est-ce qu'il est trop tard pour accepter que je me suis trompé? Le film parle de ça de façon assez vaste. Puis pour moi, parle de vers quoi je m'en vais aussi, tu sais, après 10 ans de film. Je me le demande souvent, tu sais, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Vous doutez aussi? Je doute tout le temps. Tout le temps. Oui, mais de derrière la caméra, devant la caméra, peut-être. Peut-être pour prendre une pause, un répit de... Non, mais j'ai envie de jouer. Oui. C'est ça qui me rend heureux. Mais vous jouez dans vos films. C'est pas assez. Okay. Je veux jouer pour quelqu'un, je veux plaire à quelqu'un, je veux que quelqu'un me dirige, m'aime, ou déteste ce que je viens de faire, me critique, m'analyse, m'amène à me surpasser, m'emmène ailleurs, en fait. Je m'emmène pas ailleurs, j'essaye de m'amener ailleurs, tu sais. Mais je suis limité, puis j'ai envie d'avoir aucune limite, j'ai envie de... Mais surtout, j'ai envie d'un rythme de vie où tout ce que je fais, puis tout ce que je crée, ne peut pas être détruit en l'espace d'une seconde. Puis c'est le cas d'un film, il sort, on le remet entre les mains des critiques. C'est ça la vie, c'est correct que je ne critique pas ce cycle-là. Mais c'est vrai que tout s'effondre rapidement pour un film qu'on a aimé, auquel on a tout donné, pour lequel on a accepté de moins voir sa famille, de manquer des soupers avec sa mère, avec ses amis, pour lequel on a renoncé à tellement de choses. Puis c'est correct, j'aime ma profession, puis je m'y consacre. Mais quand, en l'espace d'une seconde, on réalise que les gens peuvent le détester ou pas le comprendre ou pas l'aimer. J'ai envie de quelque chose d'autre. J'ai envie de jouer. C'est autre chose. Ça me rend heureux. Je poursuis la conversation avec Xavier Dolan, dont le film Mathias et Maxime prend l'affiche ces jours-ci à Montréal. Un film de réconciliation, un film sur l'amitié, mais aussi un film sur une quête de vérité de qui on est et de s'assumer. Et c'est possible à tout moment, Xavier Dolan, tel qu'on est. C'est la question que vous me posez la question. Oui. Je ne sais pas si c'est possible à tout moment. C'est la question que le film pose de deux amis qui sont comme des frères, en fait, qui sont des chums depuis toujours. Et qui, à travers un baiser de cinéma, parce qu'on leur demande comme ça de participer à un court-métrage amateur, ils sont pas acteurs, ils sont pas gays, puis ils s'embrassent à la caméra en se disant, bon, c'est rien, c'est une niaiserie, c'est pas grave, on n'en parlera plus jamais. Et puis finalement, ben, on n'en parle plus jamais, mais ce baiser-là les divise, puis les pousse à se remettre en question profondément. Comment est née l'idée? Ben, dans un chalet. On était dans un chalet avec des amis. Puis j'ai pensé à ça. Deux amis très proches, dans un cercle serré d'amis véritables depuis le primaire, le secondaire, que sais-je, depuis longtemps. Deux amis qui vivent un rapprochement, puis qui tout à coup se disent, mon Dieu, ça se peut pas qu'on ait des sentiments l'un pour l'autre, puis qu'on s'en soit jamais rendu compte. Premièrement, c'est pas notre sexualité. Puis deuxièmement, ça fait 25 ans qu'on se connaît, puis c'est maintenant qu'on y pense. C'est comme ça qu'est née l'idée. J'ai jamais vécu ça, mais j'avais envie de rendre hommage à mes amis, puis j'avais envie de raconter une histoire d'amour. Mais ça pourrait être vrai, ça pourrait arriver aussi.
Ah, bien sûr que ça pourrait arriver. C'est pour ça qu'on a fait un film là-dessus. Oui, c'est ça, peut-être donner l'idée à des gens de s'assumer. Parce qu'au fond. Embrassez-vous, puis voyez ce qui se passe. Vous nous direz si. Deux petites choses sur Mathias et Maxime, sur la quête de vérité aussi, de s'assumer. C'est que ça prend une petite dose de courage, hein? Une grosse dose de courage pour s'assumer à un certain moment. Mais ça donné. Prend du courage, se remettre en question, remettre en question ses idées. Et dans le personnage de Maxime, une petite parenthèse. Maxime, c'est votre personnage enfant, ça, dans Jean Coutu, non? C'est le nom de mon personnage enfant dans Jean Coutu, mais il n'y a absolument aucune raison de croire qu'il s'agirait de ce qui est devenu le personnage des publicités Jean Coutu. Il n'y a absolument aucun lien entre les deux, je vous le confirme. Mais la tache, elle, au visage, vous l'avez expliqué depuis dans quelques entrevues. Oui, oui. Mais je lisais aussi que quand, à l'école, vous vous faisiez traiter de tache. Moi? C'est vrai, ça, non? Non. Jamais. Vous avez jamais été dans un monde où c'était difficile, où vous avez vécu de l'intimidation? Ou, Moi, j'ai fait subir, en tout cas, à des gens l'intimidation. Ouais. Ça, j'en me suis ouvert là-dessus souvent. Oui, quand j'étais chez nous, même, au avec début, la 60. Au début de mon secondaire, j'ai été dans une école plus difficile où je me faisais intimider, où j'intimidais aussi d'autres enfants. Ouais. Il se passe pas vraiment une semaine sans que j'y repense, puis sans que j'en ressente vraiment un malaise, puis que je me sente mal de ça, mais je me suis jamais fait traiter de tâche, non. J'aimerais ça, par contre. Non. Mais la tâche, vous l'avez dit en entrevue, elle est très belle, puis c'est... Pourquoi, au fond? Parce que, normalement, les gens se détournent de quelqu'un qui a une différence. Ben oui, je pense que c'est une espèce de métaphore pour la blessure profonde aussi de Maxime, qui est un personnage qui a une vie très difficile, assez médiocre. Une vie qu'il veut quitter, d'ailleurs, en partant en voyage. Puis je pense que ça lui donnait une vulnérabilité que j'aime. C'est quelqu'un qui entre avec une grosse cicatrice, qui a une telle démarcation. Tout de suite, on va à l'avant un peu de la douleur que cette personne-là a subie quand elle était plus jeune. Ou on devine, évidemment, les moqueries à l'école. On devine à quel point c'est compliqué. Quand je marchais dans la rue en préproduction avec la tâche de naissance, des fois dans la rue, j'arrivais à réaliser qui me regardait. Évidemment, il y a des gens qui me regardent parce que des fois, ils me reconnaissent. Ouais. Mais là, je voyais les gens qui me regardaient puis qui avaient un malaise en voyant cette tâche-là. C'est difficile de vivre avec ça. J'imagine, en tout cas, que c'est difficile de vivre avec ça. Je vais faire une espèce de... Je peux aller dans le rétroviseur aussi. Un segway. Ouais. À partir de Mathias et Maxime, puis à partir du texte que vous avez écrit... C'est vous qui avez écrit ça, hein, le texte. Bon. Il y a une très belle phrase ici qui dit « Le succès s'accompagne d'isolement et avant que j'ai pu m'en rendre compte, j'étais, après avoir franchi mon premier quart de siècle, seul les trois quarts du temps. » Là, ça m'amène à parler d'un autre film que vous avez évoqué, ça le nommait tantôt, « Ma vie avec John F. Donovan », qui est un film aussi sur la solitude, la célébrité, l'isolement, l'identité et la vérité. La vérité, et j'ai l'impression que c'est de ce film-là dont vous parlez quand vous dites, ça peut être douloureux qu'en une seconde. Or, ce film-là porte un message extrêmement important. Est-ce que ça se peut que vous mettiez dans vos films des choses qu'on ne voit pas d'habitude au cinéma puis que les gens ne veulent pas voir ni entendre? J'y pense pas nécessairement. Non. Moi, je parle de ma vérité puis de la vérité en général. C'est ça qui m'intéresse. Les gens qui se mentent à eux-mêmes, les gens qui mentent aux autres, les gens qui cherchent leur place dans la société. Je pense que c'est pas mal ça que je fais depuis le début. Là, c'est des films là-dessus. Après ça, des fois, c'est sur une mère puis un fils dans Mommy. D'autres fois, c'est sur un couple dans Laurence Anyways, une femme transsexuelle. Des fois, c'est deux meilleurs amis dans Les Amours imaginaires. C'est pas toujours les mêmes personnages, mais c'est souvent les mêmes enjeux, des gens qui se cherchent puis des gens qui sont rejetés. Mais en même temps, quand vous avez déjà déclaré il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans qu'on fait des entrevues avec vous, que quand vous aviez 8 ans, vous aviez écrit à Leonardo DiCaprio, qui ne vous a pas répondu, « Ma vie avec John F. Donovan », c'est la lettre. Mais là, Donovan répond au petit Rupert et se crée un lien d'amitié sans qu'il se connaisse, sans qu'il se rencontre. Sans qu'il se rencontre jamais en personne, Mais parce que ce personnage-là, qui a connu le succès, qui a des problèmes de santé mentale, on le voit, ou de toxicomanie, et bon... Les deux. Le petit garçon de 8 ans qui devient votre personnage, Rupert aussi, qui connaît la célébrité, moi, j'y vois une ressemblance. Avec moi? Oui, c'est-à-dire que... Bien, c'est sûr. Ouais. J'étais cet enfant-là qui criait devant les shows de télévision, qui le faisait rêver petit, puis qui ont représenté pour moi une porte de sortie là, à la vie au début du secondaire que j'avais, puis au malaise que je ressentais, je savais, tu sais. Je savais que j'étais différent, que j'avais, je veux dire, d'un point de vue sexuel, là, c'était difficile dans une école de garçons. Non, mais différent aussi au niveau de la culture, de l'élocution, des rêves de devenir artiste. Ça dépend, ça s'est fait sur le tard, ça. Ouais. J'étais un enfant qui n'avait pas vu beaucoup de films, qui n'avait lu aucun livre. Ça a commencé à partir de l'âge de 15-16 ans seulement, à travers une belle-mère, une blonde que mon père s'est faite. Non, mais vous étiez sur les plateaux de doublage, de tournage déjà à 4 ans, non?
Oui, mais j'étais un enfant qui venait de la banlieue, qui avait une éducation qui était ordinaire, qui n'était pas plus exceptionnelle que qui que ce soit. Puis je n'avais jamais entendu parler de... Je veux dire, je lisais pas, puis j'allais au cinéma voir Nemo, puis X-Men. J'étais bien content. Est-ce qu'il y a des enfants qui vous écrivent maintenant? Des oui, gens? Des enfants qui m'écrivent. Qu'est-ce que vous faites? Je leur réponds. Oui? Je peux pas tous leur répondre, mais généralement, en fait, ma règle, c'est... C'est con, peut-être. J'aimerais ça pouvoir avoir le temps de répondre à tout le monde, mais... Je peux pas, je peux pas. Je peux pas prendre ce temps-là, c'est des jours et des jours. Là. C'est... Il y a un bureau à la maison. Puis, mais puis, mais puis c'est curieux, c'est je les jette. Ça s'appelle de salut à lui, là. Oui, mais lui, il y a eu une correspondance, tu sais. Puis... Ouais. Mais moi, c'est drôle parce que je réponds pas, mais j'insiste, je les garde quand même. Il y a un bureau avec une pile de courriers. Puis de... Mais à l'agence, quand ils reçoivent des lettres d'enfants, ça, j'essaye d'y répondre le plus souvent. Ouais. Je réponds aux enfants. Bien, l'enfant Rupert dans le film qui devient adulte, il dit à la journaliste, parce que c'est une grande entrevue en fond de scène, en toile de fond, dit on veut le changement. Ben, je n'énumère pas tout, mais surtout là. Puis là-dedans, il y a la société, il y a le monde qu'il faut changer, il y a l'homophobie qu'il faut. L'islamophobie, le sexisme, tout, là. Oui. Toute cette merde-là. Oui. Bien, je veux dire oui, mais ça, évidemment, vous me demandez si moi, je suis en accord avec ça. C'est mon propos. C'est vos propos, c'est ça. Je veux dire, c'est mes personnages qui parlent, mais c'est sûr que je suis un peu d'accord avec eux. Là. Alors, si là, à 30 ans maintenant, je repose la question qu'on vous posait il y a 10 ans. À 20 ans, vous dites, je vais être un cinéaste vivant, puis vivant, vous l'êtes à travers ce film, à travers ce qui... Mais à 40 ans... Mais ce qu'il y a de malheureux, c'est que vous me posez la même question, puis ma réponse est encore plus... On me posait la question à 10 ans, mais évidemment, le monde est loin d'aller... Il y a de l'espoir. Ce que je veux savoir, c'est que vous êtes nourri d'espoir, d'inquiétude et d'espoir, au fond. Bien, en tout cas, j'avais beaucoup d'espoir à l'époque quand je vous ai dit ça, même si j'avais une inquiétude. Okay. J'ai encore de l'espoir, mais mon inquiétude est plus grande. Puis comment le film, si vous en tournez moins, vous empêcherait de faire passer ce que vous avez à dire dans le jeu? Bien, j'ai envie de faire ça, justement, dans ma trentaine. J'ai envie de m'engager de façon plus active dans ma société, dans des œuvres de charité, dans des organisations, dans des... C'est définitivement... Ça change le monde. Bien, il y a les films, puis ça, c'est bien, puis ça me change un peu, moi. Ça change ma vie, puis je parle de mes petits problèmes, puis de... Évidemment, c'est les petits problèmes de plusieurs autres personnes aussi, mais là, je pense que j'ai l'ambition de peut-être m'engager de façon un peu moins cinématographique puis un peu plus un peu plus existentielle. Alors, on va laisser le public découvrir votre génération à travers Mathias et Maxime. Pour des adultes d'autres générations, c'est une grande découverte. Donc, au cinéma dès le 9 octobre. Mais d'ici là, vous faites la tournée. Ouais. Et on vous souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Merci, Xavier.